Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne. Nous sommes de retour pour voir des choses terribles qui se sont passées au Brésil récemment. Eh bien oui! Regardez ça! Wow! Le diable a présenté en plein jour au Brésil. Oui, au festival du Brésil. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Après, vous allez nous dire que le diable n'existe pas. Mais regardez! Regardez ça! Ouais. Ouais. L'homme a dépassé le niveau. En plein festival, pendant que tout le monde chantait et dansait, ces gens-là sont venus nous montrer ça. Le diable sérieux. Mais ça, ce n'est encore rien. Ça, ce n'est encore rien. Vous n'avez encore rien vu. Parce que ce qui s'est passé après, faut moi ça vous étonner. Déjà, regardez ça. Vous voyez ça? On voit une jeune femme qui est ici, très sexy, comme d'habitude. Mais en haut, se trouve une image terrible. Tout ça à un carnaval. Sérieux? Et on voit un serpent. Un serpent à deux têtes. La couronne de la tête du gars. Mais qui est ce gars? Qui est-il? Aïe, 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 aïe. Est-ce un adorateur du diable? Mais personne ne sait. Parce que nous tous, on sait que le serpent, il représente le diable. Mais pourquoi montent-ils cela en plein carnaval? Ou bien sont-ils en train de nous dire que c'est la fête du diable? En fait, cette fête est organisée à l'honneur de Lucifer, sérieux? Mais comment les humains peuvent-ils faire cela? Mais regardez, les humains ont dépassé les bornes. Ils sont allés jusqu'à nous montrer le vrai visage du diable. L'ange déchu. Cet ange-là même qui a été chassé du ciel et qui est tombé sur la terre. Regardez ce qu'ils sont allés faire de cet ange. Cet ange dont Dieu a parlé. Tu as dit que le diable est descendu sur la terre, il met du temps de colère contre nous. Mais les gens n'ont rien compris. Ils sont en train de l'adorer. Ils sont en train de le servir. Le diable a réussi à tromper le monde. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et en plus, regardez le gars qui est là. Il est en train de pousser même cette statue-là. Il est en train de pousser même. Il pousse. Comme si c'était un chariot. Mais pourquoi lui-même ne peut-il pas se lever pour marcher? Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Regardez, quand j'en parle vraiment, ça me donne froid dans le dos. C'est du hors du commun. Vous voyez ça? On nous montre un serpent géant. Un serpent vraiment géant. Et qu'est-ce qu'on voit devant? On voit des pommes. Des pommes. Comme la pomme qui a croqué Ève. On dit le fruit défendu. Elle va manger le fruit défendu. Et ils ont représenté le fruit défendu comme une pomme. Est-ce que vous voyez ça? Et cette pomme-là est exposée là devant ici. Genre pour dire à Dieu, nous sommes fiers! Nous sommes fiers de ce que le serpent a fait dans les jardins d'Éden. Comme il a trompé Ève. Nous sommes fiers. C'est ce qu'ils sont en train de dire au travers de cette image qui est là. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ce sont des choses qu'on fait le tour du monde. Et oui, surtout ça. On voit un faux Jésus qui est là. Et des soi-disant démons qui sont à côté. Et ces démons-là sont en train de jouer avec Jésus. Genre pour dire Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? Toi, mais tu es qui? Qui te connaît ici? Regarde-toi ici, regarde-toi. On te pousse. On te pousse. C'est ce qu'il nous montre. Est-ce que vous avez vu ça? C'est un truc hors du commun. Ce que nous sommes montrés de voir comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait aux gens? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Seigneur Jésus Christ a fait quoi à qui? N'ont-ils pas dit dans la Bible que le Seigneur Jésus Christ est sans péché? Et qu'il n'a pas péché? Ça veut aussi dire qu'il n'a rien fait à quelqu'un?
Il n'a pas cherché des embrouilles aux gens. Ah! Mais comme quoi, même dans ce monde, même quand tu ne cherches pas les embrouilles aux gens, ils vont te détester quand même. Juste parce que la lumière, c'est toi. Mais regardez! Vous voyez ça? Un homme qui n'a rien fait, si on le maltraite comme ça, et nous les pêcheurs là, et nous les pêcheurs là, c'est comment? Waouh! Les gens adorent le diable. Les gens adorent aussi la reine du ciel. Les gens sont sûrs de ce qu'ils font. Et ils espèrent quoi? Ils espèrent quoi au juste? Attirer la colère de Dieu sur nous? Sérieux? 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 Boum! Mais c'est vrai! Parce que on nous dit que quelques temps après cette manifestation, il y a eu tremblement de terre, inondation, grisement de terrain au Brésil. J'ai les images. Vous pouvez aller les retrouver sur les réseaux sociaux. C'est partout. Et les gens ont commencé à voir. Ils ont dit, oh, sérieux, répondons-nous. Répondons-nous parce que nous avons fait mal. Ce que nous avons fait, ce n'est pas bien. Il fallait voir les gens dans l'eau. Il fallait voir les gens en train de lutter pour survivre. Moi-même, j'ai vu ça, j'ai eu peur. Ça m'a amené moi-même à avoir peur de Dieu. Je vous assure, hein. Ça m'a amené moi-même à avoir peur de Dieu. C'est bien parler de Dieu. Et puis voir sa puissance est différente. Si vous voulez voir qui est Dieu, hein, allez regarder la forte pluie. Vous allez voir. Un peu seulement. Allez voir comment les inondations se passent souvent. Et comment l'homme est impuissant face à ça. Les gens courent, vont se positionner sur les montagnes pour ne pas mourir. Allez voir. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas peur de Dieu, c'est pas bon. Vous devez vraiment avoir peur de Dieu. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Il faut considérer Dieu. Et il ne faut vraiment pas tenter Dieu. Les gens ont fait tout ce qu'ils ont fait. Exposer le diable comme ça, en plein jour. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense? Les glissements de terrain, les inondations, sérieux. C'est un truc hors du commun. Vous avez vu ça? Et où était le diable maintenant pour les aider? Où était le diable pour les aider? Où était-il pour les sauver? On lui dit qu'il y a eu plusieurs morts dans ça. Plusieurs des milliers de personnes ont perdu la maison. D'autres sont déplacés. Il y a une chose à sauver la vie. Juste à cause d'une journée. Jusqu'à cause d'un mauvais jour. Où ces gens ont décidé d'adorer quelqu'un qui ne devait pas adorer. Juste parce que les gens ont décidé d'exposer un cas comme ça. C'est un truc hors du commun. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez vu? Je vous laisse regarder. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? L'être humain que Dieu a créé, c'est lui qui prend son temps pour fabriquer une chose qui va lui donner la mort. Une chose qui va l'amener en enfer. L'être humain a perdu tous ses sens. L'être humain n'est plus celui qu'on croyait. Regardez ce que l'être humain a tenté de faire. Vous voyez ça? Si ça n'a pas été filmé, vous dites que oh, c'est pas possible! Mais regardez vous-même! Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, sérieux? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Et il chante même. Il y a une chanson mais qui accompagne ça. Il y a une chanson. Et dans cette chanson, les gens disaient quoi? Dans cette chanson, les gens disaient que le diable a conquis le monde. Ils disaient que le diable, maintenant, est le chef, le patron des humains. C'est ce qu'ils disaient dans cette chanson. Que c'est le papa, c'est le dieu du monde, maintenant. Et qu'il n'y a plus rien en face. Il n'y a plus rien en face. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu les a montré que c'est lui qui est en face. C'est lui qui est en face. Tant que hein, Dieu est en haut et puis nous sommes en bas là, on ne va jamais être au-dessus de lui. Et le diable ne va jamais dépasser Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Vous avez compris ça. Et que vous y croyez, vous êtes sauvés. Parce que le contraire, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Regardez. Mais où va le monde? Waouh. Vous pouvez me dire ce que vous pensez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons apprendre encore beaucoup de choses sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche. Et laissez tous des j'aime, partagez cette vidéo sur vos amis. Et j'aimerais voir ce qu'ils en pensent. C'est parti. Waouh. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bande. Soyez prêts!